Donc, je vais vous expliquer quelques petites choses. Hop, 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 hop. Ouais, ça c'est cool, on va laisser ça pour l'instant. Donc, j'ai voulu créer un serveur HTTP avec Node. Donc, ça a été fait, hein. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, je vais supprimer quelques petites choses. Hop, run test, on va le laisser. On va supprimer. Ça va revenir à la racine. On va mettre une requête get. Et donc, c'est bon. Explication de tout cela. Donc, on va réduire les choses pour vous expliquer au fur et à mesure. Ok, c'est nickel. Donc on est à ce niveau-là au package JSON. Donc j'ai ajouté Faker.js parce que je crée des objets random et ça me facilite le travail d'en créer pour délivrer ensuite des produits voilà, avec des images randomisées, etc. Mais c'est absolument pas obligatoire pour créer votre serveur. C'est juste dans mon cas, je veux faire un serveur de produits et donc pour l'exemple, j'ai créé un tableau de produits randomisés et Faker.js, donc comme ça s'entend, Faker, ça fait du faux, des fausses choses, et notamment des faux prénoms, faux emails, faux produits, etc., etc. Et donc j'en avais besoin pour faciliter mon travail et m'éviter d'avoir à chercher des images sur Pixabay, par exemple, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, je l'ai installé en dépendance de développement, mais c'est accessoire. Ensuite, nous, on pourrait même changer notre truc et mettre direct nos daemons, parce que c'est ce que j'utilise. Hop, nos daemons. Index.js, tout simplement. Hop, on met ça comme ça, on ouvre notre terminal et on va voir si on peut démarrer notre serveur. Donc, je supprime les trucs inutiles. Hop. Terminal, nouveau terminal, et on va faire npm start. Tada! Et donc on a démarré effectivement grâce à cette commande qui est dans ce script notre serveur. Donc explication maintenant du serveur. Donc ce dont vous avez absolument besoin, c'est absolument pas de ces trois modules. Vous avez besoin de HTTP. Une fois que vous avez HTTP, vous créez votre serveur aussi simplement que ça. HTTP doit créer de serveur. Ça va créer un émetteur d'événements. Donc, si c'est un émetteur d'événements, ça veut dire que vous pouvez écouter les événements que justement cet objet émet. Et donc, vous utilisez effectivement la méthode on et vous écoutez l'événement request en l'occurrence. Votre serveur, on a dit qu'il tourne et vous avez défini comme tournant sur le port 8000. J'ai ajouté un petit message pour savoir si tout se passe bien et si tout se passe bien. Listening on port 8000. 8000. Bon, bref, 8000. Donc, ensuite, une fois que vous écoutez cette requête en réalité lui-même ou elle-même, plutôt une requête, est un event émetteur. Ça veut dire que vous pouvez y répondre ceci. C'est que des émetteurs d'événements, ces deux objets. Donc, il y en a un qui est une instance d'incoming message et un autre qui est une instance de serveur response. Un qui est readable, vous pouvez lire des informations sur la requête, et un qui est writable, vous pouvez écrire des informations. Tous deux, c'est des streams, donc. C'est un readable stream pour request et c'est un writable stream pour response. Donc, ça va être intéressant. Donc, ce qu'on appelle effectivement tout ceci, c'est un gestionnaire. Et en l'occurrence, c'est la requête, l'événement qui est associé à ce middleware ou à cette callback comme vous le souhaitez. Et donc, on va appeler ce middleware ou cette callback request handler. Si c'était un autre événement, ce serait le nom d'événement avec handler. Donc, on va avoir d'autres événements de toute façon. Donc là, j'ai fait un petit console log pour savoir si on rentre dedans. Donc, au moins, au moment où on rentre, on saura. Et d'ailleurs, je vais changer, je vais mettre un petit emoji. Alors, où sont mes emojis?
Edit, Emmet. Ah, il n'y a pas emoji dans cette version-là. C'est bizarre. Emoji. Ah non, j'ai pas sur celui-ci. Je vais essayer de voir si je peux installer ça. Emoji. Voilà. J'ai installé ça, ça va être mignon. Hop, et là, normalement, si je fais Edit, ben, je peux toujours pas. C'est intéressant, ça. Bon, bref, on verra ça par la suite. Donc, tout ça pour vous dire que on va mettre un petit message, en l'occurrence. Hop. Je vais ajouter. Into the request handler. Hop. Comme ça, on sait qu'on entre bien dans la callback. Ça, ce sera un signe et on verra ça dans la console. Ici, on peut faire un test. Into the request handler. On est bien rentré dedans et vous allez comprendre ce qui s'est affiché ici. Donc, on rentre bien dedans. Et on est arrivé non pas dans une méthode post, dans ce bloc if, mais dans ce bloc if-si, puisqu'en réalité, on était à la racine, et que la méthode était une méthode get, et on a obtenu une réponse. Donc, vous comprenez bien que pour obtenir une réponse, il faut la préparer. C'est un writable stream, il faut l'écrire, la réponse. Donc, vous écrivez ce stream. Donc, le stream, vous l'écrivez en lui paramétrant une entête, donc content type, qui est case insensitive, vous pouvez l'écrire en minuscule, ça ne change rien. Application JSON, c'est la valeur que vous lui donnez. Ensuite, status code, vous le donnez. Alors, il y a aussi une façon implicite de les définir. Donc, vous laissez Node le faire, c'est possible aussi. Mais là, en l'occurrence, je l'ai fait de manière explicite. Vous dites effectivement, alors au contraire, que le client, qu'une donnée a été trouvée ou que quelque chose s'est bien passé plutôt. Et je produis un petit message. J'utilise le write puisque response c'est a writable stream et donc on peut utiliser la méthode write dessus. Et je passe un petit message que j'ai écrit comme ça. Bienvenue sur notre backend. Alors en l'occurrence, j'aurais dû rajouter body quand même pour faire ça un peu plus proprement. Body to body. Donc voilà, et je termine ma réponse avec la méthode end. Donc faire attention, d'abord vous écrivez ces deux informations, ensuite vous écrivez votre write et enfin vous terminez, c'est très important. Je ne fournis rien d'autre, voilà. Je rends pas de page avec render et avec le JS, je fais pas ça, j'ai écrit juste un petit message comme ça, tout simplement. Donc ça c'était le bloc qui gérait la méthode get avec une URL qui représente la racine. Ici, on gère la méthode post. Donc, on se dirige déjà sur post et on n'a pas défini le cas qu'on gère parce qu'en réalité, on le définit plus bas. Il y a deux situations. On va gérer la racine et on va gérer la route products. Donc, pour la racine, on va regarder, on va émettre juste une réponse avec données reçues. Mais si données reçues, ça veut dire que peut-être qu'il va falloir que j'utilise les choses qui sont intéressantes avec post pour écrire effectivement quelque chose que je vais passer à mon backend qui va récupérer ça dans la requête. Donc, pour écrire quelque chose dans la requête, ben, en l'occurrence, j'ai déjà écrit quelque chose, j'ai mis message hello les amis. Donc, vous utilisez effectivement JSON. Pas texte, hein, vous utilisez vraiment JSON, puisque ça accepte le JSON, en tout cas ça c'est prévu pour du JSON potentiellement. Quoi que vous, si vous l'écrivez comme ça pourrait fonctionner également, mais bon, on va pas prendre de risque, on va mettre ça en JSON. Donc, ça c'est fait, hop. Ensuite, ce que vous faites, c'est simplement de cliquer sur envoyer. Donc on va regarder ce que j'avais prévu, puisque je vous ai dit que il y a des choses qu'on peut écrire sur response et response est un event emitter, un émetteur d'événements et donc on peut écouter ces événements. Donc l'événement erreur est écouté et géré, mais là en l'occurrence il n'y aura pas d'erreur. Et ensuite je gère donc la requête aussi qui est un émetteur d'événements et là j'ai besoin
de gérer pas mal de trucs. Si jamais il y a une erreur, je gère ça et en plus ça crée pour moi effectivement un petit fichier s'il n'existe pas erreur.txt où j'écris cette information à la ligne après effectivement d'autres informations qui auraient déjà été écrites préalablement dedans. Donc faire attention, j'utilise la méthode create, donc j'utilise le file system que j'ai importé. J'utilise la méthode createWrite, j'utilise path du path, du module path, parce que je crée un chemin, si ça n'existe pas, ou je concatène un chemin, bref, je normalise un chemin si vous préférez, et je mets le flag A qui signifie append, et qui veut dire qu'on ajoute à ce qui est déjà écrit dans le fichier si jamais quelque chose est écrit, et non pas qu'on détruit ce qui est écrit pour écrire par-dessus. Donc voilà. Une fois que c'est fait, j'écris ce que je veux, donc une erreur s'est produite par exemple, et je termine l'écriture de mon string. Donc ça c'est fait. Donc une fois que c'est fait cette partie-là, donc ça c'est le cas de l'erreur, le cas de la data m'intéresse. La data elle est envoyée finalement au backend sous forme de chunk, c'est-à-dire de petits morceaux, de chunk pardon, et chaque chunk pardon, est poussé dans ce tableau vide à l'initial body. Une fois que body a récupéré le tout, c'est-à-dire une fois qu'on arrive à l'événement end, eh bien, je transforme body en buffer que je convertis ensuite en chaîne de caractères pour pouvoir effectivement lire les données sous forme de chaîne de caractères. Hein, en buffer, ce serait dégueulasse. Et ensuite, je crée la même chose que j'ai fait pour le message d'erreur, sauf que je crée cette fois-ci un fichier n.txt s'il n'existe pas. Et j'écris à l'intérieur fin du chargement des données du corps de la requête. Tout simplement. Je clique ici et vous allez voir ce qui se fait. On a créé le fichier Saturday, minuit 43, c'est l'heure. Fin de chargement des données du corps de la requête. Un petit message, je reclique à nouveau dessus et vous voyez qu'un autre message s'écrit ainsi de suite à chaque fois que j'envoie une requête de type post à la racine. Et que tout se passe bien, qu'on arrive à la fin, ça m'écrit ce petit message. C'est plutôt cool, comme ça j'ai une trace de tout ce qui s'est bien passé dans mon backend. Donc ensuite, au niveau de la réponse, donc je gère l'erreur, je vous l'ai dit, je définis moi-même donc de manière explicite le status code et les entêtes, content type en l'occurrence, et pour produit, en fait ça va me créer un tableau composé de 10 éléments, c'est très fictif hein, ici, hein, j'utilise la méthode fill pour remplir ça fictivement, et pour chaque élément, je veux que ça me push dans products cet objet que j'ai créé et qui utilise faker qui me permet de choper une URL aléatoire, etc. Et j'itère, j'incrémente pardon, la valeur de counter de plus 1 dès le début, c'est pour ça que je l'ai écrit de ce côté, hop, et c'est fait. Comme ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et j'ai des éléments qui ont des ID différents tous. Et ça, c'est le plus important. Et enfin, j'envoie la forme sous format JSON stringifié products qui contient effectivement mes différents objets. On va voir ça tout de suite. Donc, je me mets sur la route products. Donc, ça veut dire que c'est celui-ci qui va s'appliquer et pas celui-là, donc ce cas-là ne s'appliquera pas, on est ici, et voilà ce que ça va provoquer. Je vais effectivement avoir toutes mes données en réponse qui ont été produites de façon aléatoire, c'est-à-dire si je réclique là, ce sera plus les mêmes images, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Donc voilà, avec toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si vous voulez 20 objets, vous que vous mettez 20, si vous en voulez moins, vous mettez moins ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour ou dans cette vidéo.